غير وين يحوج الزمور في الشيث بومان في الشيث بومان ذي الوقت ديال الخصاص امذان تفند اميك خدمن جرسن الغوتا غوت اتيونين ديسكيتيرون سيكيتير سيكيتير في بومان ومعنى ذاكي ذي الفيرما كين تونس ادن والي الحاجة نظن امين يتس امان ستفوقالين سيسبالين Cette étude, elle est faite depuis 2021, je pense, avec Dr. Emmanuel Sleti au Centre Biotechnologie de Bolsodreye. On va voir comment cet arbre, cet olivier, se comporte pendant la période de stress hydrique. La période de stress hydrique, il y a normalement, tabda, juillet, août, septembre. On va voir comment elle se comporte. D'abord en termes de production, en termes de rendement. Ok ? Mais maintenant, avec le réchauffement climatique qu'on a eu, il y a vraiment étalé la période sec. La période sec, vraiment, elle s'étale sur 4 ou 5 mois. Par exemple, ici en Tunisie, depuis, à notre région, moi. Depuis le mois de mai. On a vu ça à l'Institut de l'Olivier, comment la Tunisie a changé oui, les quatre, même chez vous, hein. les quatre cartes. En tout cas, depuis le mois de mai, on n'a pas eu des pluies, des précipitations, malheureusement. Mais on a vu, pour le moment, si on procède par ce système, mais ce n'est pas final, s'il vous plaît, hein, ne sont pas des résultats vraiment finaux, s'il vous plaît. Ce sont des résultats pour le moment, expérimental, bien sûr, jusqu'à nos jours. Si on procède avec des jarres enterrées, il y a des augmentations en termes de production d'olives en moyenne de 3% et en rendement en 18%. 18% d'augmentation, ok ? Mais ne sont pas, s'il vous plaît, des résultats scientifiquement finaux. Le rendement, l'olivier voisin, c'est ce qu'on met dans la jarre. Bien sûr, c'est kiff-kiff. Mais on a peut-être 215 pieds sont dans l'altitude maintenant. C'est pas l'expérimentation, en fait, il est 90% dans la montagne. Ouais. On va voir avec les oliviers d'auteur. D'accord. C'est pas les oliviers des plaines. Okay. Okay. Donc, juste une remarque pour la méthode d'irrigation avec les jarres. Il y a un phénomène très important, c'est le stress. Parce que lorsqu'on irrigue avec les systèmes goutte à goutte ou par rigole, c'est l'arbre, elle va boire lorsque je donne de l'eau. Elle sera toujours stressée à attendre quand est-ce qu'on va lui donner de l'eau. Avec le système d'irrigation par jarre, on a toujours la paroi extérieure, elle est humide, la zone où on a plus de concentration de poils absorbants, et l'arbre, elle sait toujours qu'il y a de l'eau dans la jarre. Qu'il y a de l'eau toujours disponible et elle boit et elle absorbe de l'eau lorsqu'elle a besoin, non lorsqu'on lui donne de l'eau. Et cet effet de zéro stress augmente beaucoup la qualité de l'huile d'olive. Et c'est très important. Drabi, s'il vous plaît, nos amis. Le principe, M. Guissus, on a fait un petit peu de 5 litres. Il est peut-être efficace, mais n'est pas efficient. C'est ça. L'arbre peut boire de l'eau. En fait, si on met du plastique, par exemple, dans une conduite biologique,
Il y a du phtalate. Oui. Vraiment, c'est catastrophique. Bien sûr. Du phtalate avec, avec les racines. Mais c'est catastrophique. C'est pas bien. On peut retrouver le phtalate dans l'huile. Oui, mais on peut combattre le plastique. Oui, il faut combattre. Donc, ici. Donc, dans le but de porter un bidon à l'eau, on jambe. Ah, comme tout ma poterie, Fidzir, Télébis. Donc, aider, c'est plus écologique, et même pour la qualité de l'huile. Une autre chose très importante, s'il vous plaît. Dans notre optique, un client, on a dit, mais n'est-ce qu'il y a le business, ça, hein? Un client, lorsqu'il arrive ici, pour voir, il voit, oui. Qu'est-ce que vous faites avec l'olivier, c'est avec ça. Quel matériau vous travaillez, il voit des pots comme ça, il n'y a pas, et c'est des sont des jarres. Le prix aussi peut le permettre de le payer. Le prix d'huile d'olive, votre prix d'huile d'olive, il sera plus valorisant. Le plastique, okay. Plastique, il est chiant. Je finis la démonstration. Okay. Le fait d'arriver à un stress hydrique plus faible. Oui. Est-ce que c'est ça qui a un impact sur le rendement en huile? Oui, ça a un effet positif sur la production et sur le rendement en huile. Jaf, lors du labour, malheureusement, comme Ritoum Kassri, il a dans le mahraf avec du canadien et tout. Comment? Longueur 40 cm. 40. 40. C'est pas une... Combien de litres elle prend? 15, entre 13 et 15 litres. Pendant la période de stress hydrique, chaque 21 jours. Parce que les jarres, ils ont une certaine porosité, s'il vous plaît, c'est pas n'importe quel jarre. Il faut que la cuisson des jarres ne dépasse pas les 1000 degrés pour avoir des jarres poreuses. Ok, poreuses. Il ne faut pas que l'eau s'infiltre vraiment dans deux jours. Il faut que l'eau s'infiltre pendant 15-21 jours. Il faut avoir un four traditionnel. La poterie est poreuse. Non. Il n'est pas perforé, s'il vous plaît. Elle n'est pas perforée, s'il vous plaît. Elle n'est pas perforée. Il faut avoir une certaine porosité. Une certaine porosité avec une cuisson qui ne dépasse pas les 1000 degrés. Par exemple, ici, c'est en fait un moknin. On peut faire un moknin à Sahel. Un moknin, bonjour. On peut travailler ça. Même en Algérie, vous avez ça. Ok. Barakallah, عندكم الخير والبركة. ما شاء الله. نهبطوا لوطا. 40 cm. لازم تعرف من برا. أنتي سورة سبعين مليم. أتاي سيدي فتاح زي سهري تسعة قرب 20 سنتيمون. يسي لقايش كش مكان غيديك. 60. ها؟ 60. احسب 20 سنتيمون. التلقاي. صامير انتي كيون وفريد. شوية تندس فيها. وسبلارا شوفوا كان كاكين. صامير انتي كيون وفريد 21 بوسان. أتاي تسعة رغضة واثنين وتصفقنا راه ومان ديرا كل. خدمان. يخدم سناس شبالين في الجهه وفلا زين اراد نوالي ضغا اذ زمرينا كي بدا زاكي غاثا يخدم ثلاثه مي الخصوص بومان ساكر ياكي نشتاكي ايوا كينا ذي شعو الزمور يقرزن يلهان Disponible.